Le corridor central élargit sa tente en accueillant un nouveau membre, le Malawi, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il fait désormais partie de cette grande famille économique qui a toujours travaillé sur le développement des infrastructures multimodales et la facilitation des échanges commerciaux. Cette adhésion du sixième État membre a été rendue publique lors de la 12e réunion ordinaire du Conseil interministériel de l'Agence des facilitations des transports des transits du corridor central, tenue à Bujumbura. Le Malawi vient de faire son entrée au sein du corridor central, une adhésion rendue publique lors du 12e Conseil interministériel de l'Agence des facilitations des transports des transits du corridor central, tenue à Bujumbura. Après près de 2 ans de consultations, le corridor central accueille un nouveau membre et le nombre passe de 5 à 6. Il y a eu des consultations à Lilongwe, des réunions en ligne, il y a eu des rapports qui ont été faits à ce sujet. Et au finish, nous avons eu le privilège de recevoir la requête de la République de Malawi demandant son adhésion à l'accord du corridor central. Comme cela va au-delà de nos prérogatives au niveau du secrétariat, nous avons soumis la question à la réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration a pris acte de cette requête, l'a approuvée et l'a recommandée au conseil des ministres pour des décisions idoines. Et au niveau du conseil des ministres, les ministres des pays membres du corridor central ont approuvé, ont validé et ils ont accepté que la République de Malawi puisse rejoindre l'accord mettant en place l'Agence de facilitation des transports de transit du corridor central. Cette bonne nouvelle se joint à la rencontre interministérielle du corridor central, focalisée sur l'approbation du rapport annuel de la performance financière exercice 2022-2023. Tous les deux projets tels que nous avons soumis, à savoir les rapports annuels et la proposition budgétaire au niveau du conseil d'administration, ont été approuvés. Et lorsqu'ils sont approuvés, il faut les présenter au conseil des ministres pour que ça soit validé au niveau ministériel. Alors, ça a été adopté au niveau du conseil d'administration, ça a été recommandé au conseil des ministres pour validation et c'est ce qui a été fait. Et c'est un des résultats de la réunion ministérielle d'aujourd'hui. Donc vous avez là deux résultats que je viens de vous énumérer. La République démocratique du Congo est la deuxième économie du corridor central avec près de 1,5 million de tonnes de cargaison à l'importation tout comme à l'exportation qui transite par le port de Dar es Salaam. Déterminant de sa partition pour la concrétisation de la construction du chemin de fer électrifié écartement standard, le gouvernement congolais revenu sur sa quote-part décaissée au profit de la concrétisation de l'étude de faisabilité et d'ingénierie préliminaire, section Gitega-Bujumbura ou Virakindu. Le gouvernement congolais a pris la résolution de disponibiliser sa quote-part de financement au budget conjoint des études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire de la section Gitega-Bujumbura ou Virakindu avec la République de Burundi, dont les consultants CPC et Zoutari viennent de lancer le début des travaux. Il est vrai que le défi de coût de transport demeure. Les États membres restent déterminés à faire du corridor central un corridor de choix pour tous les usagers, sous l'encadrement technique de l'Agence de facilitation des transports des transits du corridor central.